Ça sera du plus Real de Madrid, les amis. Ça sera du plus Real de Madrid. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Maison Blanche, de la Casablanca. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous on parle de foot. Ici, nous on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on est parti. Alors, les gars. Le Real de Madrid a perdu Karim Benzema. Le Real de Madrid n'a pas remplacé un neuf. Et du coup, moi, je m'interroge. Et je ne suis pas le seul. Même Xavier Barré, c'est une troche. Tu perds Karim Benzema. Tu le remplaces plus ou moins par Rusulu. Rusulu, ce n'est pas Karim Benzema. Ce n'est pas un mec qui t'assure 10 buts par saison. 10 buts, c'est le minimum. Hein, parce que Karim Benzema a marqué au moins 30 buts par saison minimum. Donc, tu as un Rusulu qui est incapable de te marquer 10 à 12 buts. Tu as un joueur. Tu as des joueurs qui ne sont pas là, des piliers comme les Courtois qui est blessé jusqu'à la fin de la saison. Tu as un Vinicius qui est moins bien, qui est blessé. Bref, c'est compliqué pour le Real de Madrid. Ce Real-là, si ce Real remporte, même si c'est la Coupe d'Espagne, pour moi, ça sera déjà une top performance. Ce Real-là, ce Real que je vois, c'est, ça sent la saison blanche. Ça sent la saison blanche. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu vois ce Real-là faire une saison blanche? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao!